Sibyl et Guy sont lancés comme un défi. Info programme, radio et fantaisie. Il est 7h58 et voilà qu'entre dans ce studio le sosie de la présidente Sibyl Veil. Non, Nicolas, écoutez, non, on a bien ri, mais la caricature, ça va un moment. Hein, je suis la véritable Sibyl Veil et d'ailleurs, je vous le prouve en précisant que, bien sûr, la synergie des antennes radio s'inscrit dans une volonté globale de mutation. Salut à tous, c'est Guy Lagache. Ah, bah vous voilà, c'est le directeur des programmes, c'est mon numéro 2. Vous avez commencé la réunion sans moi, c'est pas grave. Non, mais Guy, c'est pas une réunion, là, on est à l'antenne. Où sont les caméras? Non, mais le micro. Guy, c'est la radio, concentrez-vous sur le micro là. Dites-moi, Sibyl, vous avez parlé des records historiques d'audience ou pas? Oui, alors pas tellement parce que, bon, figurez-vous. Vous avez remarqué que depuis que je suis arrivé dans la boîte, ça décolle. Oui, alors. C'est ce qu'on appelle l'effet Guy Lagache. Oui. L'effet Guy Lagache. Ça décoiffe, oui, je sais. Mais le micro, Guy, le micro. Oui, d'ailleurs, voilà. J'en profite pour saluer votre belle performance à tous les gens autour de la table, et à commencer par Patrick Cohen qui était formidable. Non, Guy, ça, je vous avais déjà dit ça. Hein. Ah, mais oui, pardon, je ne l'avais pas reconnu, on a changé. Nikos, félicitations pour ces audiences. C'est Nicolas Demorand. Félicitations, et le duo que vous formez avec Élise Lucet me réjouit. Non, ça c'est facile, pensez à celle qui est au musée Grévin. Geneviève de Fontenay. Léa Salamé. Pas Léa Salamé, bien sûr. Guy, nous est toujours en train de parler de ma radio demain, est-ce que vous avez un avis peut-être? Ma radio demain, c'est vendredi déjà. Quand je dis ma radio demain, le demain, Guy, c'est une image. Une image, je sens les caméras, vous m'avez dit que c'était pas de la télé. Non, mais Guy, reprenez-vous, je vous en conjure. Calmez-vous, Sibyl, calmez-vous, tout va bien. On a de plus en plus d'auditeurs, des gens qui nous écoutent. Oui, voilà. Oui, par contre, si vous pouviez m'écouter moi de temps en temps, parce que c'est un petit peu fatigant. Je comprends, je suis un peu dépassé par moi-même, j'ai une passion pour la radio qui me dévore en ce moment. C'est bien, ça, Guy, c'est je me bien. Sens désormais comme un poisson dans l'eau Radio France. Ah, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, Guy a réussi à trouver tout seul la sortie du bâtiment en moins de 90 minutes. Par contre, je crois qu'il y a une petite confusion pour les auditeurs. Et ça, tiens. Bon, oui, quel... sur les réseaux, les gens disent à tort que France Inter, c'est la radio de la gauche. Bah oui. Alors que c'est la radio de la gâche. Oh, oui. Oh, vous êtes impayable, vous êtes déjà tellement à terre. Ah, j'adore l'humour. D'ailleurs, Sibyl, c'est jeune femme là en face de nous. Oui. Ce serait pas la petite chroniqueuse belge qui se fout de notre gueule à chaque fois? Allez, y'a pas ça, M6. Sibyl et Guy sont lancés comme un défi. C'est une très bonne idée qu'on s'invite comme ça dans les émissions. Oui, alors faites attention maintenant, Guy, parce qu'on a rendez-vous avec Nagui à 11h. Très bien, j'adore le karaoké. Mais